Et là, tu sais que c'est y part. Prière du soir. Emma! Putain, c'est pas vrai. Ah, merde! Oh, il y a la vieillasse. Merde. Attention aux ours. Oui? Emma, c'est toi qui me parles? Emma, c'est toi! Oui, oui, t'inquiète, bien sûr. Ouais, ouais, t'inquiète, hein. T'inquiète, mon bro. C'est vraiment un bro, tu vois. Bro. Emma, Emma est dead. Emma is dead. Emma, elle est finito. R.I.P. Bozo. Alors, faudrait que je trouve une carte, ça serait bien. Hop là. Oh, on y est pas tombé. Ça, je te le fais pas dire, Jacob. Je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire, bro. Bonne remarque, mec. Là non plus, d'ailleurs. Tu meurs pas tout de suite, Jacob, hein. Vraiment, j'aurais beaucoup de peine. Ça, c'est mauvais signe. Putain de merde. Mais c'était quoi le mauvais signe? J'ai pas compris sur quoi il est tombé. J'ai pas bien vu. C'est quoi? Une empreinte, c'est quoi? Une trace de pas? Ah. Ah oui, oui, oui. La carte mémoire. Dans la carte mémoire d'un appareil photo sale est cassée, perdue dans les bois. Pour l'instant, je ne sais toujours pas trop à quoi me servent les preuves, en vrai. Hein. Y a peut-être un truc là-dessus. Bah, je pense bien, ouais. Il l'a rangé dans quoi, là? Jacob? Ok, Jacob. Fais attention. Dans son fiacos? Très probablement, ouais. Le fiacos bien bombé de Jacob? On voit rien, on voit rien! Elle est où la carte, là? Pas de carte. C'est là-bas qu'elle est mortelle, non? Non. Non, c'était pas exactement là. Oh putain. Mais où elle est passée? Et du coup, elle va se transformer aussi, en fait, elle. Planque-toi, mec! Ok, il va y avoir des QTE incroyables. Préparez-vous pour des QTE, messieurs, dames. Je vais les exécuter avec brio. Prepare, prepare. Emma, c'est toi? Boum! Ouais, 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 ouais! Putain, putain, putain! Putain, 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 putain! Se cacher! T'inquiète! T'as du sang sur le visage, t'es safe de fou, mec! T'es ultra safe, Jacob! Voilà, la personne te grippe, mais impossible de te trouver! Impossible. Impossible, je retiens le souffle. Impossible que tu te fasses griller, mec. C'est impossible que tu te fasses griller. C'est impossible, t'es ingrillable. Ingrillable, t'as le sang sur le visage. Impossible. Impossible que tu te fasses griller. Impossible. Go! Une tête de sanglier là, what the fuck? C'est le sanglier de tout à l'heure, oh non! J'espère que le marquage ça va bien.
J'hallucine, mec. Ah, j'avais eu cette vision, non? Et là, il y a le vieux qui débarque. Là, il y a le vieux. Se dégager, écarter. Bah, se dégager, ça veut dire perdre son pied, non, globalement? On va tenter d'écarter. Parce que ça, c'est les chasseurs, c'est pas les méchants. Même si on dirait pas comme ça, hein. Moi, j'ai dit, à partir de maintenant, je me dis, c'est les méchants, c'est les créatures, pas les chasseurs. Vous pourriez à... Il est gentil. Je vous promets qu'il est gentil. Il fait ça pour me sauver la vie. Ils ont des méthodes juste brutales, mais je vous promets qu'il fait ça pour me sauver la vie. I swear. C'est qui, ça? Mais c'est Emma. Mais qu'est-ce qu'elle fout, là? Elle est avec ses chasseurs, là? Je crois pas. Rationnelle. Elle, elle est rationnelle, normalement. On doit... faire un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est morte. Je veux dire, pour le corps. C'est Kaylee Hackett. La fille de Monsieur Hart? Ah non. Elle est rentrée avec son frère. Kaylee. Ouais. Je croyais aussi. Ah, c'est Kaylee. On l'a vu sur la photo. Abby, faudrait pas trop que tu restes avec lui, en vrai. Pauvre Kaylee. Nick. Tu sens trop bon. Oh là là là, ouais, non. Ah ouais, ouais, interviens tout de suite. Tout de suite, tu interviens tout de suite, toi. Je vous dérange pas? Essaie de te calmer un peu, hein. Ouais, toi, c'est pas... Hey. Non, oula, il va falloir faire quelque chose, là. Nick, qu'est-ce que tu... Je veux te goûter. Hey. Viens là. Non. Arrête ça. Fais quelque chose. Les autres, là. Poussez-le. Tu veux me gnoque? Je te gnonie même! Est-ce que ça va? Je veux juste qu'il arrête! Aider Nick, réconforter Abby. Mais aider Nick là, je pense que c'est Solong Nick en fait là. Aider Nick, mais aider Nick c'est de la merde, non? Moi je vais réconforter Abby, hein. Hé, hey, c'est bon. Tout va bien. Je te tiens. De toute façon, on l'a aidé en plus de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'approche pas de lui. Ne t'approche pas. Don't touch. Okay. On l'emmène dans le pool house. Faut qu'il sèche. Le pool house. Le pool house. Ok, Nick, là, ça m'a l'air compliqué, quoi. Les vestiaires de la piscine du camp de Hackett's Quarry. Repose-toi. Merde. Je suis désolé. Arrête de bouger comme ça. C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Un Hugo décrypte qui a pris trop cher, hélas. C'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok? Pour la police. Ouais. Faudra expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut... J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant... Si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ok. Ils auraient dû faire ça depuis le départ. Ça ira pour toi, Abby. Après, dans l'adrénaline. J'ai essayé de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Merci Dark Rev pour le Prime. Awalulu, les 9 mois, The True, To Love Love, les 5 mois, Godzilla.
les 28 mois. Adam 7, les 17 mois. Chapinou, les 22 mois. SD, les 20 mois. Antoine Manson, les 200 bits. Marcus Aurelius, le Prime, merci beaucoup. Je vois rien. Très bien. Il n'y a pas une petite carte qui traîne là? Je me demande où est Caleb. Une trace de l'histoire récente du camp. On y voit un jeune Ryan heureux aux côtés des enfants de Chris Hackett, Caleb et Kaylee. Kaylee, c'est Solong, hein. Du coup, Caleb is in the sauce, hein. Caleb is in the sauce, hein. Un dessin effrayant. Complètement différent il y a 12 heures. Au milieu du bric-à-brac de ces objets trouvés, il y a un dessin griffonné d'une femme dans les bois. Ces histoires de fantômes semblent avoir fait forte impression. Ça doit être la folle de Hackett's Quarry. C'est moi ou la... Enfin, je sais que c'est censé être comme ça, mais la luminosité, je la trouve vraiment encore pire que tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, que l'autre jour. Je vais peut-être l'augmenter un tout petit peu. C'est où ? Affichage ou... Ouais. C'est voulu. Ouais, je la mets à 60, au pire. Ah non, c'est la même chose. C'est juste le dessin encore. Parce que là, je me rends pas compte s'il y a... Oui, il y a un truc là, voilà. Je l'aurais à peine vu, en vrai. Mais il y a R. Oh, let's go, la lune. The moon. Permet d'aller dans la secret room. Il y a un petit truc là-haut, mais c'est rien. Ok. Merci Beuclar pour le prime. El Gicho 92 les 14 mois. Bastoche les 8 mois. Bon, lui, il est dans la sauce. Là, c'est mieux. Merci. Hey. Hey, il y a un truc pas normal avec Nick. Ah bon ? Putain, j'aurais pas dit comme ouais, ça. Yeah. Vraiment mal. J'aurais pas dit là en vrai. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau? Ouais, on aurait dit un poisson, mais hors de l'eau. Mais en fait dans l'eau. Non? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies au chalet. C'est-à-dire? Dites rien, s'il vous plaît. Taisez-vous. Sa fringue était pleine de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures, de griffures ou rien d'autre. Il était très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Bah ouais, il a été mordouillé, quoi. La rage ? Non, il bave pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage ? Ah bon ? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire. Ouais. C'est exactement ça. Oula, je veux te manger. Non, ne t'approche pas. T'approche pas. Je peux te poser une question. T'approche pas. Bien sûr. T'approche pas. Est-ce que je te plais ? Là, pas de ouf. Si je suis agressif, il va peut-être avoir une mauvaise réaction. Si je suis calme, peut-être que ça va le calmer. Nick. Dis-moi. Allez, réponds. Avant, oui, mais là, maintenant, moins. J'ai passé des super moments avec toi cet été. C'est vraiment... Quoi ? Feur, Abby ! C'est une réponse pour rien dire. Abby. Quoi ? Feur, Abby !
Approche-toi. Si lui dit approche-toi, franchement, tu te casses tout de suite. Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby? Mais si je suis empathique, j'ai l'impression que... Et si je dis je t'aime bien, il va être insatisfait. Si je lui dis tu as changé... Bah les deux réponses sont... J'ai l'impression que la réponse de gauche va encore plus l'énerver en vrai. Donc je prends la réponse de droite, même si elle est pas facile. Nick, t'es... différent. Non. Non. Nick Latrick. Ce bon vieux Nick Latrick. Mais... qu'est-ce que... Je suis malade. Pourquoi tu t'occupes pas de moi? Mais j'ai rapproché le truc. J'ai rapproché le truc de toi. T'es pas une lumière, avoue. Pauvre conne d'Abby. Arrête. Aïe, 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 aïe. T'es une bonne poire. Aïe, 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 aïe. Une proie facile. C'est pas toi. T'es pas comme ça. Je... Non. Tu. Wow. Oh, waouh! Abby, est-ce que ça va? Oh, la force! Oh, putain! Oh, waouh! Nick a pété un plomb. Les yeux ne sont pas corrects. Les yeux de Nick sont pas corrects. Moi, franchement, je dis so long, hein. Je dis so long, hein. Je suis désolé, mais là, ça allait être une catastrophe. Nick Latrick, là. La prédiction est... Nick. Parce que là, il est techniquement mort. Désolé, non? Il est mort là, non? Il est mort ou il est pas mort? Non, il est pas mort? Non, il est pas mort? Il est pas mort, ok. Bon bah Nick est pas mort, mais j'ai l'impression qu'il est... pas très bien en tout cas. Rien en tout cas, ok, très bien. Je l'ai tué. Non, t'inquiète, le chat dit qu'il est pas mort, Abby. Le chat dit qu'il est pas mort. En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Tu as fait ce que tu devais faire. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendu. Non, mais... J'en suis pas aussi certaine. Moi, si. Non. Non. Mais ils ont tous du sang sur la gueule. Hein. C'était lui ou toi. Et ça, c'était clairement pas lui. Putain, mais quelle merde. J'avoue, mec. Oh, putain. Bordel, où est passé Chris Hackett? Qui est-ce? Oh, ça a spoilé en dessous, il y a écrit Laura. J'ai besoin d'aide. Pitié. Ça spoil, les sous-titres spoil. Vous aviez raison. Mais je l'avais compris. Je l'avais compris. Je m'appelle Laura Tierney. Ouais. Et ouvrez-moi, c'est dangereux dehors. Ouais, y'a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai Laura qui... tué personne. Oh merde, non. Laura Kearney, t'es Laura Kearney? Oui. T'étais censée travailler, T'étais censée aider à l'infirmerie, non? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà? Max. Ouais, Max, voilà, c'est ça. Monsieur Hackett a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'elle... Je vais ouvrir la porte. Moi, je lui fais confiance. Ok. Je vais ouvrir la porte. Doucement. Les mains en l'air, ok? Ok. Bah, vérifie à la fenêtre si elle a les mains en l'air. Elle a pas les mains en l'air du tout. Elle a même carrément les mains pas du tout en l'air, en fait. Finalement. Comme nous nous retrouvons.
Rien que vous et moi. Bien sûr. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez... J'ai trouvé la lune. Bon, dans ce cas-là, il est pas mort, Nick, hein, techniquement. Peut-être qu'il va y avoir un truc qui reverse le process. La lune. Quelle puissance. En particulier ce soir. Maîtriser sa peur et son anxiété pour en tirer l'intuition. Si vous y parvenez et prévoyez, votre ruse pourrait vous sauver la vie. Mais dites-moi, souhaitez-vous plonger plus profondément dans l'un des nombreux futurs... Je veux voir la prédit. Bien sûr. Ah. Mais ça, c'est le passé de Laura. Elle était dans une cage, elle a planté avec une seringue le flic. Hop, hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant? De fou, oui. J'ai l'impression que c'est le passé de Laura. Bizarre. Bizarre. Chapitre 7. Réminiscence. Alors, pourquoi vous êtes pas venu? Vous étiez où pendant ces 2 mois? On est arrivé un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. Et voilà. Du coup, on va voir ce qui s'est passé une fois qu'elle s'est fait piquer. Je crois qu'il l'a enfermée dans une cage ou un truc comme ça. Et elle s'est échappée de cette façon. Mais je pense pas qu'il lui voulait du mal, hein. Je pense qu'il a voulu la sauver. Enfin, les sauver tous les deux, sauf que l'autre, c'était déjà trop tard. I guess. C'est Max, il est pas mort là du coup. Rentre là-dedans. Dépêche-toi. Mais il est juste dans un sale état de fou, hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il lui est arrivé une nique, quoi. Yay. Merci Drinkwater Everyday pour le Prime. The Richer 14. Le sub. Infirmé 83, les 100 bits, Scram Astil, les 16 mois. Beardo, le Prime. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme. Et je le connais cet acteur en vrai. Des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Non, vas-y, on va... Laura Kearney. Ah, c'était Rémi. Ah, c'est le frère de Sam. Avec qui vous êtes? Et quel est son lien avec vous? Max Brinley, c'est mon copain. C'était... Où alliez-vous hier soir? À la colo de Hackett Squarry, vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Bah, je veux obtempérer parce que voilà. Okay. En tout cas, elle a toujours ses 2 yeux là. Vous voulez quoi? Ah. Eh ben. Pourquoi vous alliez à Hackett Squarry? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait voir le camp.
Pourquoi ne pas aller au motel comme je vous l'ai dit? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... effauché. J'aurais pu filer un petit billet pour qu'il puisse avoir la chambre. Sheriff. Je connais pas. Allez, on va être un peu taquin. Cet insigne de shérif veut pas dire grand-chose si vous croyez pas en la loi. Et hop là. Pardon ? Non, rien. On n'a rien fait du tout. Et vous nous bouclez. J'aimerais bien comprendre. Jeune fille, je crois que tu te rends pas bien compte dans quel merdier vous vous êtes fourré. Un beau merdier. Une sacrée merde. Sacrée merde. Arrêtez vos conneries. Pitié, arrêtez vos intimidations. Pitié. S'il vous plaît. Arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que Max est vivant? Non. J'ai l'impression de devenir dingue. Quoi? Fur. Attaquer? Non. Non, 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 ça sert à rien, ça sert à rien, ça ne sert à rien, tu n'attaques pas. T'as pas encore le bandeau sur le visage. Tu feras ça quand t'auras le bandeau sur le visage. Moi j'ai vu la prédiction. Hé! Mais c'est Max! Attends, il a l'air... Hé, vous! Connard! Mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Max! Je sais que vous m'entendez! Mais t'as ni rien comprendre! C'est un faux Max. Max, est-ce que ça va? Ouais. Enfin, je suis un peu en vrac, mais plus ou moins intact, je crois. Laura? Ouais. Pourquoi je suis à poil? Quoi? Feur, Laura! Eh ben, on s'est fait. Bien joué, Max. Et surtout. Après, je me suis réveillé dans une. Et surtout, tu t'es fait bouffer sa mère et il y avait plein de sang partout. J'ai plus mes fringues et il y a du sang et des trucs partout. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Il voulait que j'avoue, mais que tu avoues quoi? The fuck? Ouais, bah notre hôte avait très envie de m'arracher des aveux, mais je serais incapable oui, voilà. De dire ce qu'on était censé avoir fait d'après lui. Putain. Putain. Il a pris quoi pour te faire parler? Une pince? Une lame? Une poinçonneuse? Non, je me suis pas fait torturer. Il se prend pour qui, ce type? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill? Ouais. Max! Quoi? T'as regardé la carte, au moins? Hackett's Quarry, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Voilà des fringues. Enfile ça. Il t'a donné quoi? Je serai pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Hey. J'en sais rien, tu sais, les trends, ça va, ça vient. Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Bien joué! Ouais, c'est un pays libre, officier, face. De cul. Merde. Oh, les vannes sont énormes. La punchline! La punchline! Présente-moi tes mains. Allez! À toi.
On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça là. Dépêche. Hé hé. Oh, ne touchez pas. Allez, bouge. C'est bien. Hé, arrête de gigoter. Calme-toi, Max. Max, arrête, tu fais qu'empirer les choses. Laura. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? La ferme. Ok. Et lui, pourquoi il est full intact ? Il a pas de sang du tout, et elle, elle a plein de sang sur elle, tout ça. Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Non. Tandis que la ville de Norskill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Silas. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort et l'implacable shérif rôde encore. Elle ne dresse pas un portrait très flatteur du shérif Hackett. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il enferme quelqu'un abusivement. Ok. C'est quoi ? Cuillère. Pourquoi Burke ? Ça va, t'es recouverte de sang et de crasse, c'est pas une cuillère qui va te faire dire Burke, il me semble, non ? Bizarre. Bizarre cette réaction. C'est quoi ? Faire ? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. La cuillère, qu'elle est bête. Think. 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 Bah la cuillère du coup. Non, ça... Voilà ton levier. Ça peut le faire. Oh, ouais, ça devrait marcher. Mais tu vas faire quoi une fois que t'auras retiré ça en fait ? Ah yes ! Mets ta main ? Il y a de quoi se faufiler, oui bien sûr. Faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Arrête ton charle. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Ouais. Dès que vous sortez. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était censé vouloir dire quoi ? T'as bien compris. T'as bien compris. C'était censé vouloir dire quoi, connard ? T'as bien compris. Hé, hey, vous pouvez pas nous laisser là ! Hé ! Hey ! Ben, je crois qu'il peut, hein. Venez ! Moi, je crois qu'il peut, perso. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? J'avais comme une pookie ! Non, je suis sûre que t'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais je crois pas que ça l'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Moi, ça m'intéresse de fou. Plus sérieusement, ça a été ? Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous, et où on allait, et pourquoi, et comment je me sentais ce matin, et...
J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi, pas à toi ? Non. Bah oui, mais toi, t'as fait des dingueries, toi, bizarre. Chaud. Oh, et est-ce que t'as jeté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Hackett. Hackett Quarry. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? Ah, il y a des chances, oui. J'hallucine, c'est le Chris Hackett ? Ouais ! C'est qui, Chris Hackett ? Eh bah, le directeur du camp, Monsieur Hackett, de Hackett Quarry, tu te souviens ? Putain, hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi, tu crois ? C'était un piège ? De quoi ? C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je sais pas, bah... moniteur de colo ? C'est... Ouais. C'est sûr, c'est ça. Attends. Quoi ? Feur ? Il n'a pas le profil d'un kidnappeur. Bah, je l'ai un peu le profil en vrai, mais... Comme un genre de trafic, un piège, je sais pas... Chris Hackett et le shérif Hackett, ça peut pas être une coïncidence. Ok. Il y a forcément un lien. Bah, ils sont frères. Qu'est-ce que ça prouve ? Les deux sont frères. Ils savaient qu'on arrivait. Oui, mais ils pensaient que t'allais arriver le lendemain. Une espèce... Non. ...de kidnapping, de rançon... ...ou de complot. Non, non, non. Ça paraît un peu gros. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison ? Quoi ? Mais c'est obligé ! Mais il y a des choses qui s'expliquent pas. Et donc ? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Encourageante. Ça va pas durer, Max. Il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif. Tu peux pas dire ça. Pourquoi ? Autant se faire une raison, non ? Non, c'est mort ! Ouais. Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac. Je rêve de devenir veto depuis l'âge de 5 ans, et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. C'est exactement ça, voilà, voilà. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto, et toi... Tu vas... Quoi ? Peur ? Je vais faire quoi ? Peur ? J'ai vu ton courrier, Max. Ah oui, c'est vrai, il avait été refusé de la fac. Tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'avais honte. Max. Tes notes étaient bonnes et ta disserte était super bien. Max, tu as le mental d'une babouche. Mais merde ! On avait nos plans, Max. Ça fait chier. Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Max, tu as le mental... Le mental d'un hamster en conserve ? Je suis désolé, Max. Peut-être pas... Non, on va pas s'embrouiller alors que vraiment, voilà. Désolé, Max, c'est vraiment naze. Eh, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Non, effectivement. Désolé. C'est pas ça qui est le sous-titre. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein ? Ouais. Ouais, je sais. Voilà. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce...
Ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Oui. Tu crois que c'était une bonne idée de lui mentir? Pour l'histoire du nid de poule? Ouais. J'en sais rien. Bon, c'est un détail. Oui, il a capté que c'était pas vrai. Bah oui. Il avait l'air vraiment bizarre. Bizarre le gant. C'était même pas un flic. Bah, il est sûrement pourri, mais... Bah, je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même. Y'a personne ici. En fait, il les retient peut-être ici le temps que ça passe dehors, tu vois. Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom à Kate. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Hackett au camp, mais sur place, y'a personne et on se fait attaquer par... un truc. Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens des marches et une odeur de chien mouillé et... Un ours, peut-être, oui, effectivement. Un chien avec écrit Yann dessus. Ah mais oui. Yann. Yann. Non, mais c'était pas un collier de chien. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien, ce truc était plus grand. Ouais. Comme... Je pense que c'est un ancien gars qui s'est transformé. Hein. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi? Feur? Eh, hey, ok, question bizarre, tu te souviens... Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi, t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et... Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais. Et si... Ok. Non. Des loups-garous. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... De loup-garou. Non mais tu t'en... Vous parlez sérieux? Oh putain, j'ai eu peur. Un loup-garou? Sérieusement? N'importe quoi. J'ai eu peur, j'ai cru que ça avait... Quoi? Bah quoi? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Okay. Et c'est littéralement ça. Donc vous avez rien trouvé de mieux? Zombie? Alien? Un vampire temporel? Tu veux des réponses? Ryan, c'est ça? Ouais. Tu veux des réponses? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Et si c'était pas si fou que ça? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit? Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes, c'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste des histoires, mais il y a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Bah, bof. Attends, t'étais nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui as demandé, voilà. Et si, morsure, vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi? Veur? Tu vois, elle a même un poème dessus. Ah ouais. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Voilà son œil. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Vas-y, dis, parle. Parle maintenant, on n'a pas le temps là. Dis les termes. Merci Margot 92 pour les 4 mois. Wilkier, les 18 mois. Blondie Blonda, le prime. Les suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Ok. Ah, elle avait encore ses deux yeux, là.
quel moment elle perd son œil? Parce qu'elle lui a montré un truc sur son œil. On n'a pas vu. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Il bouffe sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermé ici. Hein? Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Y a un détail que t'oublies. Quoi? Juste un tout petit, petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Pas si fort. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents, hein? Ok, ok, stop! Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer. Pour qu'il nous laisse partir? Ou... on tente de le surprendre et on prend la fuite. C'est une mauvaise idée, en vrai. En vrai, il vous sauve la vie, moi, je pense. Hein. Si on arrivait à sympathiser. Hein, il faut qu'on s'évade, hein. Moi, j'ai vu la prédiction. Je refuse d'être sympa avec ce connard, ne serait-ce qu'une seconde. Il faut qu'on s'évade. Cool, ok. Et comment? J'en sais rien. On l'assomme? Avec la brique. Laura, tu sais que ça marche que dans les films, ça? On est dans un jeu vidéo, c'est presque pareil. La tête, tu vas plus le tuer ou lui coller des grosses lésions cérébrales que... l'assommer. Ouais, ce serait dommage. Ouais. Donc on n'essaie pas de l'assommer. Réfléchis ou déterminé. Non, vas-y, on s'évade. Bon, alors on s'évade. On prend des noms de code? Parce que si oui, moi c'est éclair de feu. Non, sérieusement, Max, on se tire d'ici. Ok. Compte sur moi. Ok. Voilà. Je sais que une possibilité n'est pas forcément le bon choix, je sais. La prochaine fois qu'il ouvre ta cellule pour t'emmener te laver, tu l'attaques. Tu le plaques au sol et tu prends les clés à sa ceinture. Bah d'accord. Tu le traînes dans ta cellule, tu l'enfermes et tu m'ouvres. Là, on lui pique sa bagnole et on se tire vite fait d'ici. Ouais, mais c'est pas vraiment un plan, pas vrai? C'est juste une autre façon de dire on s'évade avec plus de mots. Non, ici attendra pas. On est dans une routine, on va pouvoir le surprendre. Ouais. Ouais, c'est pas ouf, hein. Moi, je dis, c'est pas ouf comme plan. Moi, je dis, t'as une brique, hein. Moi, je dis, t'as une brique, là, hein. La brique, est vlan, quoi. Moi, je dis, t'as une brique, hein. Ouais, c'est pas grave, hein. Il a l'air tellement plus fort que lui, en plus, donc... jamais tu t'arriveras à l'avoir, en fait. Maintenant. Ah, oh, doucement. Sérieux? Oh, oh, oh. J'arrive. Oh. La clim. Petit génie. C'est le malaise, un peu, là. C'est un peu le malaise. Mais j'ai pas pris ma douche. T'inquiète, moi non plus, bro. Depuis bien longtemps. J'ai dit... enlève ces putains de fringues! Je t'emmerde! Recule! Max, qu'est-ce qui se passe? Je vous interdis de le toucher! Viens là. Prends la brique! Touchez pas! La brique, la brique! Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être veto? Alors voilà ton stage. Connard! Tu voudras pas le croire. Si tu le vois pas par toi-même. Ouais, il va se transformer. Ouais, et bah, demandez la prochaine fois, putain. Merde. Approche pas trop. Si, réponds. Ah, si, c'est lui. Ta position. L'autre, c'est si. Merde. Je dois terminer un truc ici. À l'aide, on est retenu prisonnier au commissariat, au secours!
Je vous rejoins. Terminé. C'était pas très malin. Après, pourquoi je fais ça alors que je suis persuadé qu'il veut les aider? Vous pouvez pas me laisser là! Il veut lui montrer qu'il se transforme. Je vais me gêner. Douin, ouin, ouin, ouin. Mais en fait, ils redeviennent normaux une fois le jour, quoi. Vraiment la nuit, le problème, quoi. Ouh là 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 là. Dis-moi comment tu te sens. Max, dis-moi exactement comment tu te sens. Laura, je me sens pas très bien. Ah ouais ? Bien comment ? Je sais pas, j'ai... mal. Mal où ? Approche, fais-moi voir tes yeux. Non, non, il vaudrait mieux que je bouge pas. Ouais, il a raison. Max, il faut que je t'ausculte. Il faudrait qu'il l'accroche au lit, en fait, qu'il l'attache à quelque chose dans la cellule. C'est assez près pour toi, là, connard ! Ah, ils deviennent tous agressifs et tout. Ça, c'est comme le gars dans Buffy, tu vois. Il doit s'accrocher la nuit, sinon il se transforme, quoi. Max, explique-moi ce qui se passe. Ouh là là. Max, attention, ça va exploser. Bouah. Max, est-ce que ça va? Oh, oh, la cuillère. Ah putain. Il faut qu'elle se retire son œil. La cuillère, la cuillère, la cuillère, la cuillère, la cuillère, la cuillère. C'est la zic. Elle était pas menottée? Mais ouais, elle était menottée. Hein, faut qu'elle se retire l'œil, hein. Yeah, man. Adieu, vu en trois dimensions. C'est vrai, ça? Là, ça a brisé sa chaîne, le truc. Qu'est-ce que ce connard de flic nous cache ? Attends, je veux juste... Excuse-moi. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Je vais juste voir s'il n'y avait pas une carte. Il y a peut-être une carte. Je reviens. Ça va, Max? Max! Ok, Max. Attends, juste là-dedans, vite fait. Tu peux, s'il te plaît. Ouais. Bon, tout ça, on a vu. Mais oui, mais ça, là-bas, à quoi ça nous a servi, en fait, de faire ça? À rien. C'est là où j'étais tout à l'heure. Je check juste vite fait, bien sûr. Ok.
Brrrring. Oh, le chariot. Invincibilité pendant quelques secondes, bien sûr. The chariot. The chariot. Par là ou par là? Je sais pas trop, hein. Attends, je regarde quand même un peu tout. Fermé. Bien sûr. Et je peux pas laisser Max. Je ferais mieux de fouiller. Ou de retourner attendre dans ma cellule, sinon. Non. Franchement, moi, je serais toi, j'irai pas. Ouais, peut-être que Nick est pas mort. Hein. Merde. Va falloir que je me repose. Qu'est-ce qui t'arrive? À part que t'as perdu un œil, bien sûr. C'est mignon. Travis. 56. Ça veut dire qu'il est né en 1965. Après, cette carte pourrait être plus vieille. You don't know. You don't know. Abby est encore en vie? Oui, tout à fait. Moi, je fais que les bons choix. C'est le principe du stream, hein, globalement. Je ne fais que les bons choix. Ok. Sauf pour Emma, mais bon, c'est une erreur de jeunesse. Ah oui! Ça, c'est la prédiction. Qui m'a endormi. Ça fait. Je la cacherai dans ma cellule. Ah, on va la planquer derrière le... derrière la brique. Tout à fait, ce que nous allons faire. Merci. Oh, Papy Shounen! Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. Thank you, Papy Shounen, for the 10 gifted subs. Papy Shounen. Incroyable, Papy Shounen. Si vous n'étiez pas sur le stream d'hier soir, c'est dommage. Papy Shounen, quoi. Thank you very much. Et merci d'ammoniaque pour être de moi. Best of beer. 7 juillet? Full Moon. Il a surtout marqué Full Moon. Il a littéralement écrit Full Moon, hein, le... Je dois m'allonger. Et deux secondes. Ok. Merci, Sir Jean le Baveux. Pour les 7 mois. Mathieu Lunky, les 7 mois. Il y avait un autre truc là-bas. Juste. Je regarde juste ici quand même, ouais. Merci Chambellax pour les 10 mois. Qu'est-ce que tu caches, Travis? Lettre de mise en demeure. Une lettre demandant aux animateurs du podcast Enquête Paranormale d'arrêter leur recherche sur Arcade Squarry. Ah, mais c'est le podcast qu'écoute Ryan. Moi, je fais un podcast comme ça. Et je reçois une lettre comme ça. Je me dis, tout ce que je raconte est donc vrai. Tout simplement. Silas. Allô? Probablement une erreur. C'est qui?
C'est qui? C'est le CPF, ouais, j'avoue. T-Hacket, le mot de passe. My birthday. C'est un sacré indice. On l'a eu tout à l'heure, c'était quoi déjà? Heureusement que j'ai fait dans cet ordre-là. Let's go. Oh, putain. Ah, c'est Chris Hackett, là. Par les podcasts. Voilà, souris. Des randonneurs, mais des chasseurs de fantômes en quête de réponses qui se sont retrouvés à la merci de la folle de Hackett's Quarry. Et ils ne sont jamais revenus. Comme nous. Et sauf la partie où ils étaient à la merci de trucs, machin chose. On est plus des inspecteurs de fantômes. Des limiers spectraux? Si tu veux. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'après les infos du journal local, le Northkill Gazette, des bottes de foin auraient pris feu pendant la soirée d'ouverture. Et les flammes se seraient propagées. En quelques instants, tout est parti en fumée, y compris la femme qui menait le spectacle et son soi-disant petit père. Ça bug là, non? Ça bug là, non? Ça bug là, non? C'est pas normal ça, j'ai envie de te dire. Hein. Moi je pense que c'est pas normal là, ce qu'on vient de voir là. J'ai fait ce que je pouvais, j'en peux plus. Il faut que je dorme. Deux secondes. Anne Radcliffe et Edward Benson. Qui ça peut être? Bah, c'est des gens qui ont disparu comme vous, finalement. La scène, là, il y a la carte avec... En fait, il y a tout écrit, en fait, hein. Quelle est bête. Bon, bah, vas-y, on retourne à la cellule, hein. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Je crois. Ouais, je crois que j'ai fait le tour, là. De toute façon, j'ai la seringue. J'espère qu'il va bien. Ça va toujours? Dis-moi. Allô? Toujours là? Ça va? Oui, c'est bon. Attends, est-ce que je peux planquer le truc ici? Oui. Voilà. Voilà. Let's gang. Et maintenant, on va faire un bon petit dodo, quoi. Allez dormir. Boum! Et je dors. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Oula, la gueule du gars. Je peux vous retourner la question? Pourquoi pas fuir? Je laisserai pas Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Moi aussi. Ça va, là, on n'a pas de seringue, t'inquiète. Content? Une fouille tranquille, hein. Respectful. Je vais faire du café. Tu vas prendre une douche avant, vite fait, peut-être? Prends pas la clé! Bro, si je voulais m'échapper, je l'aurais fait! Bro! Et là, il est... Ok, tu vois.
C'est quoi ? Peur ? C'est éducatif. Regarde. Une vidéo de toi pendant la nuit, là, au calme. Mais du coup, Nick, en fait, il est pas mort du tout, en fait. Hein. Il est tout à fait ok, en fait. Hein. Ok, j'ai bien fait de pas confirmer la prédiction de tout à l'heure. Comment ça ? Bah oui, bah je pouvais pas savoir, trou de balle ! Tu l'as bien nettoyé. Excusez-moi. J'avais pas vu ça. Moi, j'ai pas vu tous les streams. J'ai pas fait le jeu. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand il n'y a personne pour nous aider. C'est toi le docteur. J'avoue. Pour les animaux. Oui, enfin, c'est... Et non. En fait, je le serais sans doute même jamais. On est coincés là pour toujours. Parfois, on pense savoir sans vraiment savoir. Tout à fait. Tu me suis ? Non. Emma non plus, du coup. Bah, du coup, je me pose la question. Il faut pas se fier aux apparences. Je me pose la question, du coup, hein, effectivement. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je le suis. Ma famille. On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends ? Pas vraiment. Explique le lore un peu. Explique le lore. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec votre famille ? Qu'est-ce qui se passe au juste avec votre famille ? On est des loups-garous, hein, faites-le. Ma famille. C'est pour ça qu'il s'est barré, Chris, au départ. Est coincé au fond d'appui. Quoi ? Peur ? La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille... Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter au fond d'un puits et que... Et qu'en fait on est tous dans le puits finalement ? Tout le monde s'accroche à une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter ? Ah non ! Si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Bah ouais, c'est tellement ça, hein, tout à fait. Et c'est tout le problème. Alors c'est vous qui... êtes à l'extérieur du... puits avec la corde et... Ouais. Ça me semblait évident. Ouais, j'ai compris. Laisse tomber. Ah, pourrait le piquer, hein. Mais bon. On va voir si t'es vraiment futé. Moi, je suis très futé, par contre. Et vu que c'est moi qui la contrôle, ça devrait aller, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Ah voilà. Hein. Les brebis errantes, elle saignera. Voilà. Mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle... Ah mais oui, c'est pour ça que Nick... À l'argent tué l'original. À l'argent tué l'original. Quand c'est ça que Nick avait peur dans l'eau. Au firmament... Le soleil... Auxir la source de vos tourments... Conjurera votre infortune... Et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Non. 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 Encore. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser. Voilà. Pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mal infâme. Voilà. Comment savoir l'idée ? C'est des loups-garous zombies, là, finalement, le...
Franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? C'est une très bonne question, par contre. J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Non, elle est pas infectée, c'est sûr. Enfin, je crois pas. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattue dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Je suis pas... Enfin, c'était... C'est plus dur ? Non, ouais, c'est pas... Parles. Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Bon, quel est le plan ? Ouais, on va dire ça. Merci pour moi, pour le sub-offert à Evanuel O. Rose, les 11 mois. Gétoinou 0169, les 3 mois. Bella Coconut, les 3 mois. Et le sub-offert à la communauté. Merci beaucoup. Tezat 99, les 6 mois. Pipou, pipou, piou, les 6 mois. Mathematic, les 7 mois. Reduno 1, les 21 mois. Cyrial, merci beaucoup. Encourageante. Alors, c'est quoi le plan ? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi ? Ouais. Avec tes études ? Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, il y a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. Ah, la science, la science. Écoute, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je reviens demain matin. Et qui est l'original ? Bah, je sais pas trop. Hein. On va voir. Hein. Je vois pas le rapport avec la vieille et son fils, là. Le ranch du vieux Callaghan. Yusha pour les 27 mois de sub-tier 3. Xalpha 24, les 7 mois. Future Prime, le Prime. 2084, le Prime. J'aurais pas Julien cru Anna, c'est 4 mois. Dit si j'avais pas... Vu la vidéo de moi qui me transforme en truc bizarre, là. Si j'avais pas vu ça. Merci Alice pour le sub-offer. Je le crois. Mais moi aussi, je le crois. Moi, je le crois. Bah oui, mais c'est ce qu'il vient de dire. Dire que tu lui fais confiance quand même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais pour les loups-garous, pas pour la science. Merci Win Cattel pour le prime. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Mais tu viens de dire que tu le croyais si tu avais pas vu la... Tu viens de dire à l'instant que tu le croyais. Tu dis, j'aurais pas cru ce qu'il raconte si j'avais pas vu la... ce que je viens de voir. Qu'il crève. Mais... Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Moi, je pense que c'est une erreur de faire ça. On est obligé de le faire parce qu'elle doit s'échapper, mais je pense qu'il devrait collaborer avec lui. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il veut nous protéger en nous mettant là-dedans. J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton œil. Ouais. C'est grave ? Bah, je l'ai plus, en fait, tout simplement. Ouais, plutôt grave. J'ai juste plus mon œil, en fait, finalement. Je suis désolé. C'était pas vraiment toi, hein, tu sais, le... C'est... Et voilà. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Merci MP Bavou mais pour les 6 mois. Wincatel le Prime. Quand tu l'oses le Prime, merci beaucoup. On va te soigner, Max. Promis. On va tuer ce loup, là. Je te le promets. Mais en attendant, toi, faut que tu restes dans la cellule, sinon tu vas buter des gens, en fait, Max. Donc, en fait, elle s'échappe, mais elle laisse Max là-dedans. Je sais qu'ils sont là. Les moniteurs ne sont pas au camp. Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. Quoi ? À ton avis, Gris,
Travis. Mon Dieu, Travis. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu un, Chris. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Voilà. Hop là. Tigre dragon. Tu m'as tiré dessus. Maman va te tuer. T'as eu de la chance que ce soit pas de l'argent. Maman va te tuer. C'est quoi le plan? De l'argent. Si t'avais fait ton boulot, il se serait peut-être pas retrouvé au camp. T'y penses à ça? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça? C'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Leur honneur et cette fouine de journaliste. Mortel, Travis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Fais chier. Max! Hein? Max! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Merci Asberka, merci beaucoup pour les 18 mois. Parler, le flic! Et? Avec Chris Hackett! Il est venu nous faire sortir? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris Hackett qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. C'est pour ça qu'il pouvait pas le tuer parce qu'il avait un affect, peut-être? Ou juste qu'ils sont trop durs à tuer tout court? En même temps. Quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain, mais c'est ça! Si c'est Chris qui m'a mordu, alors... Il faut tuer Chris pour te sauver. Ouais, c'est notre remède. Voilà. Tout à fait. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose? Bah ouais. Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris Hackett. Voilà. Hé, à l'aide! Laura sent mal! C'est une supercherie, là, j'en suis certain, là. Laura, tu vas bien? Ok. Préparez-vous à des QTE endiabélés, messieurs, dames. Préparez-vous à des purs QTE, là. C'est quoi ce bordel? Laura! Hop là! Je vous avais prévenu, hein. Des QTE de folie, là. Mais il faut qu'elle le laisse par contre, il faut pas qu'il vienne avec elle parce que là ça va être la méga marde. Non. Non, c'est Max lui-même qui va lui dire non, je reste là. C'est presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. J'irai pas jusque-là. C'était à chier. On devrait filer tant qu'on peut. Non, Max, reste là, mais. Mais non, mais en attendant, il faut que ce soit elle qui s'en occupe. Et lui, il faut qu'il soit enfermé. Le temps d'eux. Quelle erreur. Immense erreur. Où sont nos affaires? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir ici. Et les balles en argent, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un. Il est là. Oui, si, il y a quelqu'un. Ouais. C'est bien, au moins elle... Elle se dit pas, c'est rien. Ça vient de derrière la porte. Ah, il l'entend aussi. Tout est de leur faute. Tu tous. Peut-être un ours, hein.
C'est peut-être un ours, hein? Moi, je pense que c'est un ours, hein. Très probablement. Ah, elles sont là, les balles. Y'a personne ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait, il chassait. Bon, du coup, j'ai plus besoin de ce truc-là. Bah, garde-le quand même. File-le à Max. Je viens de me rendre compte. On est libre. Ouais, pas tant que Chris vivra. Je suis d'accord. Soyons pas non plus... Non, Max. On sera libre quand Chris Hackett sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... Ça reste une petite victoire, non? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hackett Square et régler le problème. Ah non, pas l'aigreur, elle a raison. Elle a raison, moi je suis d'accord. Hop là. Et voilà le travail. Merci Chad, imposant pour le Prime. Merci beaucoup. Et je suis arrivé là, au camp. Et t'as trouvé où ce bandeau? Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà, c'est toute l'histoire. Ah oui, elle l'a laissé sur l'île. Surtout, parlez pas tous en même temps. Mais attends, que veux-tu que je te dise, là? L'île, genre notre île à nous? Tu veux dire l'île du lac? Ouais, pourquoi? Ben, Jacob, il est allé chercher Emma là-bas, mais il est pas encore revenu, et elle non plus. Oh, merde. Allez, soyons honnêtes, hein. Eh ben, s'ils y étaient, ils y sont plus. Qu'est-ce que ça veut dire? M'oblige pas à te faire un dessin. J'en viens justement, et il y avait personne d'autre qu'un loup-garou. Oh merde. En tout cas, c'est la seule solution. Il faut que je tue Chris Hackett avant demain matin. Quand vous m'avez vu à la piscine, après que j'ai tué... Chris... Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Attends. Quand je vous ai vu à la piscine après que j'ai tué Chris, quoi? Il y a un truc que j'ai pas compris, quoi? Mais non, c'était pas Chris. C'est sa fille. Mais... Quoi? Elle pensait tuer Chris, mais elle a tué... Kaylee? I don't know. On va voir. Bah, c'est pour ça que Max n'est pas redevenu normal. Parce qu'elle a pas tué la bonne personne. Elle a tué un autre membre de la famille Hackett, mais pas le bon. C'est là qu'est morte Emma, par contre, c'est là-haut. Je crois. Max ? Ouais, c'est là-bas. Max ? Max ! Derrière toi. Behind. Putain.
Oh, les QTE, les QTE. Vite des QTE, s'il vous plaît. Solange, Laura. Te fais pas mordre. Attention. Mais est-ce que c'est Max ou est-ce que c'est Emma, ça? Comme tu dis, mec. Bien d'accord avec toi. Tellement d'accord.